Regardez-moi comme c'est beau. Allez, on va au petit déjeuner. Ah, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je pique ici à les poissons. Donc, il veut pas aller aux poissons. Il leur dit coucou, ça va? Et par contre, regardez. Merci. Regardez-moi comme c'est incroyable. Là, il y a le buffet, le petit déjeuner. Là, deux, il prend une petite omelette. Là, il y a le buffet, le petit déjeuner. Là, deux, il prend une petite omelette. Là, il y a le buffet, le petit déjeuner. Là, deux, il prend une petite omelette. Là, il y a le buffet, le petit déjeuner. Là, deux, il prend une petite omelette. Là, il y a le buffet. Balade un petit peu dans l'hôtel pour voir un petit peu tous les endroits ce matin. Bon, ça sera le premier et le dernier pas de l'âge, je te le dis. Bisous. Ah, bisous à papa. Bon, ça sera le premier et le dernier pas de l'âge, je te le dis. Je ne vous dis pas. Ma moustache, comme elle est. Il fait chaud là. Il fait quand même assez humide. Donc je ne vous dis pas. Donc du coup, là, Théo est allé faire un match de padel. Ça sera le premier et le dernier. Vous imaginez bien, c'est juste avec Benji. Et avec quelqu'un qui connaissait Benji ici. Donc voilà, ils vont faire leur match de padel ce matin. Et après, quand ils rentrent, on va faire journée plage. Journée à l'hôtel aujourd'hui. On va manger en bord de plage. Et voilà, mais il fait chaud, je vous avoue que là, même en moustache, je suis en PLS. On est allé voir le petit kid club ici et il y a une tortue. Alors, on était en folie. Voilà, donc on va faire un peu ici. On va pas rester un petit peu ici. Je vais voir un petit peu comment c'était aussi. Là, ils ont un petit potager aussi ici et vous avez, il y a dedans. Donc, trop cool. Est-ce qu'il allait me prendre? Kids Club à la femme de ménage. Est-ce qu'il allait me prendre au Kids Club à la femme de ménage? Est-ce qu'il allait me prendre au Kids Club à la femme de ménage? Est-ce qu'il allait me prendre au Kids Club à la femme de ménage? Est-ce qu'il allait me prendre? C'est le planning, il y a plein de trucs sympatoches. J'aimerais bien qu'il fasse ça. Pizza making à demain, ça c'est le mercredi. Donc ça, je pense que je vais l'amener. Et en fait, de base, c'est de 3 à 5 ans. Mais comme il est propre, ils me le prennent avant.
piscine. Regardez comme c'est trop, trop bon. Lui, il se régale. Il s'envoie des trucs hein, et après, il va les chercher. Maintenant, tu veux sauter? Allez, vas-y, papa il va dans l'eau. Non, ok, parti. Va maintenant, tu veux sauter? Allez, vas-y, papa il va dans l'eau. Non, ok, parti. Va maintenant, tu veux sauter? Allez, vas-y, papa il va dans l'eau. Non, ok, parti. Petit amour, on va aller faire la petite sieste. Il est 15h. Petit amour, on va aller faire la petite sieste. Il est 15h. Petit amour, on va aller faire. Théo est en train de coucher Loan. Je l'attends. Regardez, du coup, on va super, super bien. Ça, il va faire sa petite sieste. Et nous, on est pas loin, comme ça, on peut le regarder. Montrer mais où dormait Loan, donc c'est un lit comme ça. Honnêtement, il n'est pas du tout sorti, même s'il n'y a pas les barreaux. Et là, j'ai mis un petit peu des coussins. C'était Manon qui m'avait conseillé ça. Et bon, en soi, même pas, il descend. Et on l'a collé contre le mur. Et franchement, il a très très bien dormi. Il a fait sa sieste aussi. Bon, j'en ai profité ce soir, avec l'humidité, de tester la routine pour récupérer vos boucles. Enfin, les boucles ondulations, j'ai pas les choix. Bouquet, on va dire plus ondulé. Voilà. Par contre, je trouve quand même que c'est beaucoup mieux. J'ai eu plus de mal en bas à les remonter. Et je trouve que des fois, c'est pas trop ondulé. Alors que en haut, un peu plus au niveau des racines, j'ai moins galéré, on va dire. Voilà. Donc voilà, bon, ça fait vraiment un effet plage. En plus, là, j'ai bronzé. Donc c'est cool. C'est cool. Théo, il m'a dit, j'adore. Donc je reste comme ça. Ce soir, je savais pas trop à quoi ce que ça allait ressembler, mais voilà. Par contre, j'avais pas pris de diffuseur, donc du coup, je faisais ça avec le sèche-cheveux. Enfin, bref, je galérais un petit peu. T'as tout mangé ? Mais voilà. Okay. On va se préparer là, on va aller manger. Par contre, j'avais pas pris de diffuseur, donc du coup, je faisais ça avec le sèche-cheveux. Enfin, bref, je galérais un petit peu. T'as tout mangé ? Mais voilà. Okay. On va se préparer là, on va aller manger. Par contre, j'avais pas pris de diffuseur, donc du coup, je faisais ça avec le sèche-cheveux. Enfin, bref, je galérais un petit peu. T'as tout mangé ? Mais voilà. Okay. On va se préparer là, on va aller manger. Par contre, j'avais pas pris de diffuseur, donc du coup, je faisais ça avec le sèche-cheveux. Enfin, bref, je galérais un petit peu. T'as tout mangé ? Mais voilà. Okay. On va se préparer là, on va aller manger. Par contre, j'avais pas pris de diffuseur, donc du coup, je faisais ça avec le sèche-cheveux. Enfin, bref, je galérais un petit peu. T'as tout mangé ? Mais voilà. Okay. On va se préparer là, on va aller manger. Par contre, j'avais pas pris de diffuseur, donc du coup, je faisais ça avec le sèche-cheveux. Enfin, bref, je galérais un petit peu. T'as tout mangé ? Mais voilà. Okay. On va se préparer là, on va aller manger. Par contre, j'avais pas pris de diffuseur, donc du coup, je faisais ça avec le sèche-cheveux. Enfin, bref, je galérais un petit peu. T'as tout mangé ? Mais voilà. Okay. On va se préparer là, on va aller manger. Par contre, pourquoi tu as pris la brosse ? Et l'hôtel, alors ? Allez, let's go. On va manger. Et du même acabit, tu te rappelles la journée qu'on avait passé. Pourquoi tu as pris la brosse ? Et l'hôtel ? Ah, si, si, oh là là. Je vous entends très bien. Ah, si, si, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, on va aller manger. Qu'est-ce qu'il y a?
Et en ce moment, c'est les ventes privées chez Seloulou. C'est-à-dire que vous allez avoir des prix vraiment très très attractifs, des prix vraiment super intéressants, mais ils sont exclusifs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès via mon lien uniquement. Au niveau des produits, bon là, j'ai pas pris beaucoup de choses parce que des gens diraient que je pars un mois, alors je pars juste quelques jours. J'ai pris cela pour ma routine minceur pour le ventre et j'ai pris aussi pour les cuisses et j'ai pris aussi le gua sha pour le corps que j'adore vraiment, ça c'est ultra ultra bien en fait, ça permet aussi de reproduire un peu le massage drainant même au niveau pour la qualité de votre peau, pour si vous avez un petit peu, je trouvais un peu au niveau des ballonnements, ça fait du bien aussi au soir, je me le fais aussi au niveau du ventre, au niveau des jambes, si vous avez un petit peu les jambes lourdes et tout. Bon, ça, c'est vraiment les produits que vous connaissez, que je vous parle très souvent chez Seloulou. Et donc, du coup, vous allez avoir de grosses promotions via les ventes privées de chez Seloulou. Vous avez plusieurs routines chez Seloulou, que ça soit anti-cellulite, anti-vergiture, une routine minceur, plus axée sur les fesses, plus axée sur le ventre, sur les hanches. Enfin, vraiment. Il y a beaucoup beaucoup de produits et vraiment pour tous les petits complexes qu'on peut avoir. Donc là par exemple je vous ai parlé, c'est le gel cryo et le soin minceur de nuit. En fait ça c'est vraiment dans ma routine minceur que j'ai depuis que j'ai accouché. Je la trouve vraiment vraiment bien même au niveau de la peau. Le gel cryo par exemple avec le froid, je trouve que cette sensation elle est vraiment, elle aide aussi à un petit peu déstocker et surtout je trouve qu'au niveau de la qualité de la peau, j'aime beaucoup. Donc ça c'est vraiment les produits que j'utilise depuis que j'ai accouché et du coup vous avez plein de produits sur le site et via la vente privée vous allez avoir de grosses promos. Papa, 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 papa.